Bonjour tout le monde et bienvenue à Dessiner avec Paolo. Aujourd'hui, nous allons dessiner Ezio Auditore, un personnage d'Assassin's Creed. Yes, you heard right, ladies and gentlemen. Today we are drawing Assassin's Creed character Ezio Auditore, and here's his body. So he's going to be deflecting an arrow with his arm, and this is the main body position that we're sketching in at the moment. Alors, ce qu'il sera en train de faire, le personnage, c'est de dévier une flèche avec son avant-bras. Et l'autre bras sera prêt pour l'attaque, avec sa lame qui sortira bien sûr de son avant-bras, comme en dessous de ses vêtements, comme il le fait dans les jeux vidéo. Donc voici son bras gauche. Here's his left arm, which is slightly raised up. It's his forearm here, which attaches to his fist, which will be clenched, of course. Donc voici son poing au bout de son avant-bras, qui sera bien sûr un poing fermé. On aura de ce côté-ci son dos, donc on peut imaginer le dos passé derrière. So we can imagine his back going from the back over here, and then of course his chest on this side, so here's his back. On a sa ceinture, his belt over here, and then of course his shoulder pads, donc ses épaulettes aussi, ici au niveau des épaules. Donc il a des grosses épaulettes. En passant, je ne connaissais pas très bien le personnage de Ezio et j'ai fait une tonne de recherches. Il a quoi, 27 000 costumes, donc c'était difficile pour moi de l'illustrer. Alors j'ai choisi une version de celui-ci et je vous la présente aujourd'hui. Donc si vous trouvez qu'il y a des différences, ben oui en effet, c'est parce qu'il y a tellement de versions d'Ezio, ce que j'ai pu voir. Donc j'en prends des versions puis je les mets dans mon dessin. As I was just saying in French is that there are so many versions of Ezio available online to see as photos. I've decided to take a few of those. Well, let's erase these lines here. I've decided to take a few of those pictures that I've seen and make a concoction, so build these elements together to make my own Ezio version. So this is his hood. Donc voici son capuchon. Et on peut imaginer son visage ici en dessous, caché un petit peu par son capuchon. Here's where his face. Let's erase these lines here. On efface ces lignes, on n'a plus besoin. Et là, on va lui faire un collet. We'll put his collar, his open collar here. There are versions of Ezio that don't have collars, others that have really big collars, even multiple collars. Il y a des versions d'Ezio qui ont des collets, multiples collets, un grand et un petit, d'autres n'en ont pas. Alors bon, j'ai choisi de mettre ce collet-ci dans mon dessin. So I've decided to put this collar, this type of collar in this drawing. We'll erase these lines here and retrace the lines to hood. Donc on va tracer maintenant les lignes du capuchon. Pour les rendre un petit peu plus foncés, maintenant que je les aime, je vais les couler dans le béton, donc je vais les fonder. Il y a les lignes de couture, bien sûr. So there are the stitch lines that he has on his hood here. We're going to trace those in and give a little bit of a thickness around this edge. So, on va ajouter une petite épaisseur autour du contour ici, comme cela. Et en haut. Le défi de cette semaine, parce que j'aime bien maintenant vous donner des défis, il y a beaucoup de personnes qui me regardent, qui adorent les défis maintenant. Donc mon défi de cette semaine, c'est de dessiner la cape d'Ezio comme vous la voyez. Moi, je ne la dessinerai pas cette semaine, ce sera à vous de la dessiner. Donc c'est à votre imagination de créer la cape d'Ezio derrière ce personnage. So this week's challenge for this drawing, and a lot of people are liking the challenge thing, so I'm going to ask you to draw Ezio's cape. I will not be adding Ezio's cape in this. You will be responsible for drawing that in, using your imagination, and draw the cape that you like. And once you've done your drawings, send them to me by email, and I'd be glad to put them on my website. Donc lorsque vous aurez terminé le dessin d'Ezio, envoyez-moi votre dessin par mail, et ça me fera plaisir de le mettre sur mon site web. Alors effaçons ce contenu-ci. We're going to erase these little lines that we don't need anymore, and then we're going to trace certain under elements here to these shoulder pads. Ok, donc voici un élément de tissu triangulaire en dessous de son épaulette et bien sûr sa manche. So here's his sleeve, and of course he has a gauntlet on top of his sleeve, and this is a very detailed piece, so we're going to work a lot on this one today. Donc voici son avant-bras, c'est son protège avant-bras dans lequel il a ses armements. Et puis cette pièce est très détaillée, alors nous allons passer beaucoup de temps sur cette section du dessin aujourd'hui. Here's his sleeve. Voici sa manche qui dépasse bien sûr à l'avant. So his sleeve overlaps on top of his hand a little bit. And it's a wavy material. Donc c'est un tissu qui est en vague et on peut effacer maintenant toutes les lignes de fondation. Let's erase all the foundation lines. And we'll now trace the separator on his wrist. Nous allons maintenant dessiner la ligne séparatrice au niveau de son poignet. Comme ceci. On peut maintenant foncer les lignes que l'on veut garder. We can now darken the lines that we want to keep. And then we're going to add detail to this gauntlet. Nous allons maintenant ajouter des détails au niveau de ce protège avant-bras. Donc il y a un grand triangle au centre. There's this big triangle here in the middle of his forearm. Now, I've seen different models of this, so don't sue me if you don't see the model that you're expecting. But it's sort of my concoction at this point. I've seen so many different ones, so here's a triangle that I remember seeing in this one. Donc, il y a plusieurs versions de ses protèges avant-bras, là. Alors, j'en fais une aujourd'hui, mais soyez pas fâchés après moi si c'est pas la version que vous attendiez. C'est celle que je crée tout simplement d'après les images que j'ai vues. Donc voici son poing. Here's his fist, clenched fist, and his finger, index, other fingers. Voici ses autres doigts et maintenant on peut effacer les lignes derrière. We can erase the back lines now that we don't need. We'll add a few more details to the top of his hand. Nous allons ajouter plus de détails maintenant sur le dessus de sa main, dont l'ombre, a little bit of shading here. And the same thing, a little bit more detail to the thumb. Un petit peu plus de détails au niveau du pouce. Et on va faire le contour de sa manche. We'll retrace the contour lines of his sleeve. Now let's add the eagle, or I suppose maybe it's a phoenix illustration on top of this gauntlet. Nous allons maintenant ajouter l'oiseau, le phénix, sur son avant-bras. C'est ce que je présume, ce que c'est, un phénix, là. Et en passant, j'aimerais vous dire que mon livre Drawing with Paolo est maintenant disponible sur l'iBook Store. Allez dans iTunes et cherchez pour Drawing like Paolo. Et puis, vous pouvez le télécharger un échantillon de ce livre. Et s'il vous intéresse, vous pouvez toujours l'acheter. C'est un très bas prix et c'est dépendamment du pays dans lequel vous êtes. So my book Drawing like Paolo is now out on the iTunes Store. If you'd like to check it out, head out to iTunes and search for Drawing Like Paolo. It is a purchasable book. It's very inexpensive, and you can also download a free sample of it. And go ahead and take a look. But please let me know what you think about it. It's very important. You can leave me a few comments here or send me an email. And to find all that information, go to my YouTube channel to see how to send me an email and all that. Si vous avez téléchargé le livre, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. C'est très important que je le sache, parce que je fais ces livres-là pour vous aussi. Et là, on peut effacer toutes ces lignes. We can erase all these foundation lines. No need for those anymore. OK, allons dessiner maintenant plus de détails au niveau de son bras. We'll add more details to his arm. For example, on these material pieces here. Donc, les parties de tissu au niveau de son épaulette. Des petits triangles, il y a des épaisseurs à l'intérieur de ceci. Il y a des lignes de couture au niveau du bras. There are sewing lines within his shoulder pad and his arm, so there's these little triangle things that are red and black. Donc voici ces petits triangles qui sont en rouge et noir. Nous allons les tracer comme ceci, il y en a trois. Il y en a peut-être plus, hein? Comme je vous dis, c'est un modèle, là. There may be more details on certain Ezios that you've seen, but this is the one I'm drawing today. Vous avez peut-être vu plus ou moins de détails sur d'autres Ezio, mais c'est celui que j'ai décidé de dessiner aujourd'hui, c'est cette version-ci. Alors nous allons colorier maintenant la partie, la demi de notre avant-bras en dessous, en gris. Let's color the whole bottom half of this gauntlet in a dark gray. Because this is a metallic tone and we need to make it look like metal. Ceci est une pièce métallique, alors il faut lui colorier comme étant une pièce métallique. Si vous avez vu mon illustration du chevalier, alors vous avez appris à dessiner du métal. Ici, on utilise cette même technique. If you've seen my knight on a horse drawing, then you've learned how to draw metal and reflective metal and all that. This is the technique we're using for his forearm gauntlet. And of course, here's his dagger. Voici la dague maintenant qui sort d'en dessous de sa main. Je la fais très simpliste pour le moment. et son épaulette droite, qui est aussi, elle, fait de métal. And here's his left shoulder pad, which is also, or pardon me, right shoulder pad, which is also made of metal. And so there's this circular part at the front, which is a belt latch for a strap, so he can keep that shoulder on, the shoulder pad on. Et voici la ceinture qui permet de garder son épaulette droite accrochée à son corps. Et on peut enlever les lignes qu'on a tracées à l'intérieur. We can now erase some of these lines and retrace the lines that we've erased by mistake. Ok, on va colorier maintenant la ceinture. Let's color the belt in using our paper technique to protect our drawing. Utilisant la technique de papier pour protéger notre dessin. Je vais retracer les lignes de contour. I'm going to retrace the contour lines and make them a little bit darker. Je vais aussi faire en sorte que les lignes de contour soient un petit peu plus sombres. Nous allons colorier l'intérieur de chacun des triangles ici. I'm going to color inside of each triangle here as well. And add a few details to his hand. Nous allons aussi ajouter quelques détails au niveau de sa main. Ok, bien sûr, il y a des lignes de couture sur son vêtement à l'avant. There are also stitch lines to the front of his suit. And we're going to continue the outline of his shoulder pad here. On va continuer les lignes de contour de son épaulette, qui ont trois lignes, à mon sens, sur le côté de son épaulette. Donc voilà les trois lignes, ou les deux lignes en fait dans ce cas-ci. Two lines on his shoulder pad, and of course we're going to use some shading techniques here to create a metal look to this circular object on his shoulder pad. Nous allons utiliser une méthode d'ombrage pour créer un look métallisé aussi au niveau de cet élément arrondi sur son épaulette. Alors on colore, on laisse une espace blanche, on colore à nouveau, on laisse une espace blanche. C'est la façon dont on fait un look métallisé. So you color in a section, you leave a white space, color in another section, leave a white space, and that's what represents a metallic look to your drawing. Now let's work on the hood here. This is his collar. Voici son collet interne. Donc il a deux collets dans ce cas-ci, un tout petit qui est retroussé, puis un très grand retroussé aussi un petit peu. Voici celui qui fait face à nous. Celui qui passe en dessous de la ceinture. These collars go underneath his belt. We're going to trace his outline here a little bit, so add his nose in here and color in the collar. Nous allons aussi colorier son collet maintenant avec une petite ligne de contour à ce collet-là et un petit peu plus d'ombre ici au niveau du collet secondaire. We're going to add a bit more shadow here on the underside of that first collar. There you go. Voilà. Alors maintenant, nous allons ajouter un petit peu plus d'éléments sombres dans le haut et dans le bas de cette ceinture. We're going to add a few, well, we're going to make it a bit darker at the top and the bottom of this belt. Give it a little bit of a gradient, which is pretty cool, makes it stand out a little bit more. And we're going to add some detail to his face. So, nous allons ajouter des détails à son visage. Son visage est camouflé par son capuchon. Alors, je vais colorier son visage très sombre. His face is pretty much covered by his hood and therefore casts a shadow on his face, and you can't really see it, so I'm going to color that in really dark. And here's a few more details to his face. I'm not going to add too much detail to his face because it is sort of hidden, so I'm not going to spend too much time on this. Je vais pas mettre trop de détails au niveau de son visage, puisque son visage est camouflé dans bien des cas, donc je passerai pas trop de temps sur son visage dans le cas de cette illustration aujourd'hui. On va mettre beaucoup d'ombre, un peu de barbe, et puis voilà ce que je donnerai à mon Ezio. Alright, let's make this a little bit darker in this corner. Un petit peu plus sombre dans ce coin-ci. Vraiment couvrir les yeux. Really want to cover those eyes. Colorier le visage un peu. Color in the face just a little bit more. And then we're going to move on to another section of this drawing, like his neck, for example. Et nous allons passer à une prochaine étape du dessin, son cou et sa barbe, sa petite barbichette qui change elle aussi à chaque illustration que j'ai vue. Cette section-ci est aussi un peu métallisée, donc nous allons faire le même genre de détail, un genre de coloriage métallisé pour cette section-là. This section here, this shoulder pad, is also a metal-looking texture, so we're going to try to give it a metal texture here with a bit of shading. There you go, and this is material, so du tissu, ce n'a pas nécessairement le même effet. Au niveau de l'ombre, et la même chose pour sa chemise ici en dessous, c'est pas nécessairement la même texture, donc peut-être pas le même genre d'ombrage. This texture for his sleeve is also a different texture and metal, right? So we can't treat it the same way. Let's add some stitch lines here into a suit. And we're going to color this body section in really dark to push that body back in the drawing. Nous allons rendre cette section-ci de l'illustration très foncée pour faire en sorte que l'on pousse son corps très loin à l'arrière par rapport à son bras. Et ici, le détail au niveau de son armure ou son épaulette de droite. So here's the detail to his right shoulder pad. This guy's got lots of detail. I mean, compared to any other drawing, this is the most detail I've put in a drawing before, and I'm trying to keep it under 30 minutes, so bear with me, guys, and pause this video as much as you need to. Ce personnage a énormément de détails, plus de détails que j'ai jamais mis dans un personnage auparavant. Alors, j'essaie de garder ces illustrations-là en dessous des 30 minutes. Donc, merci de votre patience et cliquez le bouton pause énormément pour pouvoir me suivre. Alright, we're going to draw his right hand now. So here's the sleeve. Donc, dessiner sa main droite. Voici sa manche. Et à l'intérieur, il y aura son poing. Donc, voici ses jointures et son index. Here's his index finger. And you can see the knuckles there on the right side. And here's his other fingers attached here. Voici ses autres doigts attachés un à côté de l'autre, avec un petit peu de détail au niveau des jointures. Adding a few more details where the joints are. We're going to add a line here in the dagger. Nous allons jeter une ligne ici au niveau de la dague. Celui qui camoufle sous ses vêtements. OK. Nous allons colorier ici au niveau de son vêtement aussi, ajouter un petit peu plus d'ombre. We're going to add a bit more shading to his front costume. Now remember to keep in mind that we need to erase some of these parts. So press lightly on your pencil at first, and then you'll press harder when you're satisfied with that line. Rappelez-vous qu'il faut effacer certaines sections de l'illustration, alors ne pesez pas trop fort la première fois que vous faites vos lignes guides, et ensuite vous allez pouvoir tracer plus fort par-dessus quand vous êtes satisfait de vos lignes. Okay? Donc il faut vraiment se rappeler qu'il faut effacer certaines sections, ou les gommer, ne les tracer pas trop fort la première fois. Alright, so we're going to add the second gauntlet, and it'll be set up just like the first one, but on, of course, the right arm. Nous allons dessiner maintenant son avant-bras du bras droit, et il est du même design que celui du gauche, alors il faudra faire exactement les mêmes détails qu'on a fait sur le premier. Sauf que dans ce cas-ci, on peut voir un petit peu plus l'intérieur de son avant-bras. In this one, we can see a little bit more of the inside of his forearm, so we have to see the straps. Alors dans ce cas-ci, on peut voir les ceintures qui attellent son armure à son avant-bras. Voici sa chemise. Here's his shirt on his left arm. Oh, pardon me, right arm. And here's his thumb. Voici son pouce. Et nous allons pouvoir effacer toutes ces lignes. Let's erase all the foundation lines. We don't need those anymore. A little detail to his shirt. Petit détail au niveau de sa chemise. Beaucoup de détails, beaucoup de détails. Je sais même plus où commencer. There's so much detail, I don't know where to begin anymore. All right, let's color this whole thing in here. Donc, colorier son armure ici d'un guerrier uniforme. Et après, nous allons tracer son phénix aussi sur cette section de l'armure. We're also going to trace the phoenix on this section of the armor as well. I suppose it's a phoenix, could be an eagle for all I know. J'imagine que c'est un phénix, mais ça pourrait être un aigle pour tout ce que je sache. J'ai aucune idée de qui c'est ce personnage vraiment, là, autre de faire une recherche au niveau des images sur Google. Bon, alors je dessine ce que j'ai vu dans mon personnage à moi. So I'm just drawing, you know, all the versions that I've seen of Ezio into my own version, and so I'm sort of guessing this is what's on his gauntlets here, a phoenix. Alright, let's add those stitch lines to his shirt. Nous allons ajouter les lignes de couture au niveau de sa chemise. Et nous allons colorier d'un gris pâle. Et ensuite ajouter de l'ombre. Let's color a gray shading underneath here. And of course his whole arm is a light gray. And shading here, darker lines will help out with that illusion of depth. We're going to erase lines here onto the gauntlet to make light reflections. Nous allons ajouter des lignes de réflexion avec notre gomme à effacer et retracer les lignes qu'on aurait perdues dans le processus. On retrace maintenant la chemise, un petit détail au niveau de la chemise. A little bit more detail here in his shirt and his hand. Nous allons tracer aussi un petit peu d'ombre au niveau de ses doigts, les doigts de sa main. Et nous allons colorer aussi son capuchon. Let's color in his hood as well. Capuchon en français, hood in English. Hood in English, capuchon, hood. Robin Hood, Robin des Bois. Dans Robin des Bois, on ne mentionne pas le capuchon. En anglais, Robin Hood, on mentionne le capuchon de Robin. So, no hood mentioned in the Robin des Bois, Robin Hood version of the French version of Robin Hood. We never mention hood in there at all. It's a Robin of the Woods, the French translation, Robin des Bois. I'm talking about Robin just because of his hooded character, which Ezio maybe, you know, comes from, sort of, in a design aspect, I mean. Donc la seule raison pourquoi je parle de Robin des Bois, c'est parce que Robin portait un capuchon aussi. Et peut-être qu'Ezio est venu, d'un point de vue design, de Robin des Bois. Possible. Alors voici sa ceinture, beaucoup de détails dans sa ceinture aussi. So I've just drawn his belt line there a few seconds ago, and there's a lot of detail in his belt line as well, so we're going to attack that soon. Nous allons attaquer sa ceinture dans quelques instants. Je vais juste ajouter un petit peu d'éléments plus sombres au niveau de son armure ici. Just want to add a few darker lines to his armor here before we go ahead and add details to his belt. So here's the top of his belt. Voici le haut, la section supérieure de sa ceinture. C'est comme le chapeau de Napoléon. This is sort of like Napoleon's hat. Do you see what I mean? Napoleon's hat? Voici ce que je veux dire, le chapeau de Napoléon. Voyez-vous ça? Alors, à l'intérieur de ceci, il y a des détails ensuite. Donc, des spirales qui partent du centre. So there are spirals that go from the center and move on out to decorate this belt buckle. Donc, on décore cette boucle de ceinture, très simplement. On retrace plus foncé et plus épais pour dénoter une épaisseur. Et il y a ici un paquet de feuilles qui sortent du côté de la ceinture. There are a bunch of leaves here that come out of the side of the belt. And this big loop is just going to help me in positioning content. Ces formes de base me permettent, ou ces formes géométriques simples me permettent de positionner mon contenu avant de mettre les détails. Nous allons effacer toutes ces lignes. Let's erase all these lines. I'm just putting in these foundation lines first to add more detail later on. This is one of those detail parts. Ça, c'est un élément de détail que j'ajoute. Et ensuite, on va mettre les feuilles en dessous de ça. We're going to add the leaves underneath this spiral portion of it. Remember, if you think this video is going too quickly, make sure to pause it at any time, rewind it as many times as you need to, and take your time doing this drawing. Nobody's rushing you, and it doesn't have to be exactly like mine. N'oubliez pas, si vous trouvez que je vais trop vite, n'hésitez pas de cliquer le bouton pause à n'importe quel moment, reculer quand vous avez besoin, et réécouter cette vidéo. Il n'y a personne qui vous presse, personne qui vous dit d'aller faire rapidement ou de faire exactement comme mon dessin. Okay? C'est votre illustration, c'est ce qui compte. Juste de dessiner, c'est ce qui est important. The only part that is important here is the fact that you're drawing. That's all that counts to me. It doesn't matter if it looks like mine, if it's exactly like mine, there are no issues here. Just have fun drawing, that's all that counts. Il faut seulement s'amuser lorsqu'on dessine, et c'est tout ce qui compte en réalité. Le produit final est moins important que le fait que l'on s'amuse, et moi je m'amuse énormément aujourd'hui à faire tous ces petits détails au niveau de ce personnage. I'm having a lot of fun today, adding all these details to this character. It's the most detailed character I've done so far. I think it's even more detailed than my knight in shining armor. Je pense qu'il y a même plus de détails que mon chevalier, ce personnage qui est Ezio. This character called Ezio seems to be way more detailed. Let's add leaf lines here. Nous allons ajouter des lignes pour les feuilles. Ajouter un petit peu plus de fignolage. Adding a few more details to these elements here. Color in some fold lines into his belt. Nous allons colorier des lignes de plis au niveau de sa ceinture. Et on va rendre ça un petit peu plus sombre dans ce cas-ci. On ne voit pas très bien maintenant à cause de ma main. We can't see it very well due to my hand, but I'm adding belts here. On ne voit pas très bien à cause de ma main qui bloque le chemin, mais je suis en train de dessiner des ceintures qui permettent de tenir ses armements après son corps. J'imagine c'est à quoi ça sert. I imagine that's what those belts are for, They're really meant to hold more armament, more weapons on his person. Okay, we're gonna add some darker lines here. I'm using an HB pencil, 0.7 millimeter. Donc j'utilise un crayon HB de 0.7 mm. Et je l'aime bien parce que ça permet de faire toutes sortes de dégradés de couleurs, donc de très foncé à très pâle. I like the HB because it allows me to draw very dark lines and very light lines if I need to. A lot of people are asking me, what kind of pencil are you using? Well, check out my drawing tools video to see what I use exactly. Vous pouvez toujours aller trouver la vidéo outils de dessin et vous verrez exactement quel outil j'utilise pour faire mes dessins. All right, we are approaching the end. Nous approchons la fin. Et puis, comme je vous mentionne, ce sera à vous d'ajouter la cape d'Ezio dans votre illustration. Et si vous voulez, envoyez-les-moi par mail. Mon adresse est paolomorrone100, donc 100, @gmail.com. Send your Ezios by mail to me if you've added the cape and you're satisfied with your drawing. Send them to me at paolomorrone100 @gmail.com. And I'll gladly put them on my website. Si vous m'envoyez vos illustrations, ça va me faire plaisir de les mettre sur mon site web, qui est drawingwithpaolo.com. Mon site web est drawingwithpaolo.com. Donc, if you send me your drawings, I'll be able to add them to my website, drawingwithpaolo.com. It'll be a pleasure to put them there, and you'll see that there is a section called Fan Art, and that's where I put all of the drawings that people send me. Il y a une section qui s'appelle Fan Art sur mon site web, et c'est là que je mets toutes les illustrations que les gens m'envoient par mail. Well, that's it, guys. Here's the little arrow that's going to be slamming off of his armor, because that's why he wears armor. He can protect himself. Voici la flèche qui retentit sur son armure d'avant-bras. Et c'est pourquoi il porte des armures, c'est pour se protéger contre des armes du genre. Alors voilà. Est-ce que ça s'est passé dans le jeu? J'ai aucune idée. C'est mon imagination dans ce cas-ci. Encore une fois, c'est l'imagination qui compte. Et voici ce que je veux faire pour mon personnage. Has this happened in the game before? I have no idea, but this is what my imagination wants me to do. I'll add an arrow bouncing off of this character's forearm. And there you have it. This is Ezio Auditore from Assassin's Creed. I hope you like it. If you like it, send me some comments. If you don't, send me some comments anyway. I'm glad to hear either or. Voici le personnage Ezio de Assassin's Creed. J'espère que vous l'aimez. Laissez-moi des commentaires. Même si vous ne l'aimez pas, laissez-moi des commentaires. Ça me fait plaisir. Et n'oubliez pas d'ajouter sa cape. Don't forget to add his cape, guys. So, let's add a few more details to his face. On va ajouter un petit peu plus de détails au niveau de son visage. On va y mettre une barbe un petit peu plus sombre. We're going to add a darker beard here and darker lines. His face to really mask who this character is underneath there. Nous voulons vraiment masquer qui est ce personnage en dessous de ce capuchon. Et puis voilà. Donc merci d'avoir été des nôtres. Je souhaite vous voir la semaine prochaine pour un autre épisode de Dessiner avec Paolo, Drawing with Paolo. Thanks for being with us today. I hope to see you next week for another episode of Drawing with Paolo. Catch you next time.